les membres du GIEC rappellent l'urgence de parvenir à un accord sur le climat. Bonsoir. Ils ont entre 15 et 24 ans, n'ont généralement pas fait d'études supérieures et on les appelle déjà la génération perdue. Les taux de chômage de cette génération sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux de leurs aînés. Ils sont les premières victimes de la crise.